Alors, chapitre 8, la gamme de Do majeur. Donc, pour les violons, en troisième position. Alors, vous vous mettez en troisième position sur les cordes de sol. Voilà. Et puis, en grand déplié. Vers le milieu d'archet. D'accord. Alors, je vous la joue en entier en donnant un départ. Comme ça, ça permet d'abord de l'écouter pour voir ce que ça donne et regarder les positions. Et ensuite, ça vous permettra de la jouer en même temps que moi éventuellement, puis ensuite en décalé, en canon, en partant deux notes après, donc à la tierce. Alors je vous rappelle juste les systèmes, on est en Do majeur, donc il n'y a rien à la clé, donc ça veut dire que sur la corde de Sol, on va avoir Do, Ré, Mi, Fa collé, Sol, La, Si, Do collé, donc deux systèmes 3, et Ré, Mi, Fa collé, Sol, donc les doigts en système 2, La, Si, Do collé, Ré. Aussi les deux en système 2, donc deux systèmes 2 ici. Voilà, donc alors la difficulté en montant ça va, mais en descendant, il faut bien poser les doigts directement comme ça, ou alors sur ces deux cordes, avec 3-4 collés. Alors, 3-4 collés, on laisse le 3 se poser un peu avant, et le 4 qui lui glisse dessus, où on les met bien ensemble, comme ça on est sûr que le 3 est juste, et que même si on veut aller plus vite, il sera juste derrière. Voilà. Do, 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 ré, 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 3... 4. Ensuite, le petit B. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a des répétitions. Et puis, on va jouer des 3 pour 2, ou c'est des trios. On va chanter d'abord avec une pulsation, parce que rythmiquement, c'est pas forcément évident. Do, do, ré, 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 mi, mi, fa, 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 mi, mi, fa, 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 sa. Évidemment, j'ai Octavier pour le confort vocal, quand ça, pour que ce soit agréable, facile à chanter. Voilà, et puis maintenant pareil, je vous le joue pour que... Alors je vais avoir une tourne par contre, je vais mettre les deux pages à côté. Je vous le joue comme ça, vous pouvez le jouer en canon, d'abord une fois en même temps que moi, et après en canon en décalant de... deux mesures complètes. Vous partez deux mesures complètes après moi, et comme ça sera très joli. Évidemment, chantez-le avant hein, pour avoir le rythme avec la pulsation. Vous le chantez en même temps que moi tout à l'heure. 3, 4. Thank you.
on peut faire la reprise aussi, éventuellement. C'est déjà pas mal. Je vous laisse mettre les pulsations, réfléchir comment ça se place, bien comprendre comment ça marche. Il y en a 4 par mesure, puisqu'on a 4 temps, mais ça, j'espère que vous l'avez vu vous-même. Et puis vous pouvez les envoyer par mail éventuellement, comme ça je corrigerai. Bisous, à bientôt.